profitez pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Règles pour l'exploration des bâtiments abandonnés. Certaines personnes me disent qu'elles explorent depuis des années et qu'elles n'ont jamais rencontré rien de pire qu'un sol fragile. Mais je me dis qu'elles ne regardent tout simplement pas aux bons endroits. J'explore des bâtiments abandonnés depuis un bon moment et j'ai eu mon lot d'expériences intéressantes. J'ai une bonne tête et une bonne dose de chance, ce qui m'a permis de rester en vie pendant toutes ces années. Je me suis dit qu'il valait mieux que le moins de gens possible meurent ou se fassent embêter. Alors je vais vous faire part des choses que j'ai rencontrées et de mes conseils pour y faire face. Assurez-vous que vous ne serez pas arrêté pour violation de propriété avant d'explorer quelque part. Je dis bien « assurez-vous » et non « regardez des deux côtés, il y a quelqu'un, allez-y ». Vous seriez surpris de voir à quel point les gens se font arrêter pour ce genre de choses. N'ignorez pas les panneaux qui vous indiquent que le bâtiment est instable. Ils sont là pour une bonne raison. Si vous trouvez des signes indiquant que l'endroit est utilisé pour des activités liées à la drogue ou à d'autres activités criminelles, quittez les lieux immédiatement. Vous devriez vraiment vérifier ces éléments avant d'entrer si possible. En règle générale, si vous trouvez des signes indiquant que l'endroit est habité ou utilisé, partez. Il ne s'agit probablement que de sans-abri, mais quoi qu'il en soit, vous ne voulez pas les déranger. De même, si vous trouvez d'autres personnes, vous devriez probablement partir. Ne leur parlez surtout pas et ne les incitez pas à vous voir. La plupart des règles suivantes peuvent se résumer à éviter les personnes avec lesquelles vous n'êtes pas venu. Si vous vous rendez au bâtiment en voiture, garez votre véhicule hors de portée de vue du bâtiment. Si quelqu'un vous poursuit, vous devez le semer dans les environs avant d'aller chercher votre voiture. Laisser votre voiture en marche est une mauvaise idée, et il est presque certain que vous ne pourrez pas la démarrer et partir avant que la personne qui vous poursuit ne l'ait rattrapée. S'ils trouvent votre voiture, ils se cacheront dedans ou la saboteront pour vous empêcher de partir. Les enfants en bas âge se mêlent aussi bien aux bâtiments abandonnés qu'aux donjons. Si vous voyez un enfant en bas âge, laissez-le tranquille et sortez de là. Dans le meilleur des cas, il s'agit de l'enfant d'un sans-abri qui se trouve dans le bâtiment, auquel cas vous devez vous référer à la règle 4. Dans le pire des cas, il s'agit d'un appât ou d'un enfant en bas âge. Si vous soupçonnez un enlèvement ou un trafic, appelez la police une fois que vous êtes à l'extérieur et en sécurité. Essayez de ne pas appeler la police pour des sans-abri ordinaires. Ils ont déjà suffisamment de problèmes. Et ça, c'est la règle 4. Je parle ici des petits problèmes. Les jeunes de 15 ans qui se promènent ne font probablement que s'amuser en explorant. C'est aux petits enfants qu'il faut faire attention. Ne les tuez pas et ne les blessez pas. S'il s'agit d'une chose qui se fait passer pour un enfant, vous ne pourrez probablement pas le tuer et il sera furieux. S'il s'agit vraiment d'un enfant, vous venez de tuer un enfant. Si des enfants vous tendent une embuscade et vous demandent de jouer avec eux, refusez poliment. S'ils se mettent en colère ou commencent à faire des choses bizarres, fuyez. Si quelque chose s'approche de vous et vous invite à faire quoi que ce soit, dites oui. Il y a environ une chance sur deux pour que ce soit quelque chose qui respecte les règles de l'hospitalité et qui vous tuera parce que vous avez été impoli et que vous avez refusé, ou pour que ce soit quelque chose qui essaie de vous manger. Soyez toujours poli et aussi honnête que possible, mais identifiez toujours une porte de sortie et restez sur vos gardes au cas où les choses tourneraient mal. Refusez poliment toute nourriture ou boisson que l'on tente de vous donner. S'ils se mettent en colère ou essaient de vous forcer à consommer, ils sont hostiles et vous devez partir. Ne les menacez pas. J'ai un ami qui l'a fait. Après qu'il ait été tué, je me suis excusé pour son comportement, ce qui a semblé satisfaire suffisamment mon hôte pour que je puisse finalement partir. Tout ce qui ressemble à un sanctuaire ou à un hôtel est une mauvaise nouvelle. Je vous recommande de laisser quelque chose à côté si vous le pouvez, mais ne touchez jamais à quoi que ce soit.
N'interagissez jamais avec quelqu'un que vous voyez toucher à quoi que ce soit et ne parlez jamais à proximité. Ne mettez pas d'objets au milieu de la table et de l'autel. Mettez-les à côté ou sur une partie inférieure de l'autel. Si vous entendez une fête se dérouler, partez immédiatement sans entrer dans la zone où se déroule la fête. Parfois, il s'agit simplement d'une fête, mais une fois, j'ai entendu des bruits qui ressemblaient à ceux d'une fête dans une pièce où je me trouvais 30 secondes auparavant. Je ne sais pas ce que c'était, mais maintenant, chaque fois que j'entends des bruits de fête, j'évite la fête et je pars. Si la fête bloque votre seule issue, assurez-vous que la porte est fermée. Faites face au mur opposé à l'entrée si ce n'est pas possible et attendez que le bruit disparaisse. En général, vous pouvez partir en toute sécurité environ 15 minutes après la fin de la fête ou lorsque vous n'avez entendu aucun bruit dans la pièce pendant 5 minutes. Si vous avez un sentiment de déjà-vu à l'intérieur du bâtiment ou si le bâtiment semble avoir des géométries impossibles, sortez par la fenêtre. Sortir par une porte ne fera qu'aggraver le problème. Si vous entendez des chuchotements dans votre esprit, chantez fort jusqu'à ce que vous soyez sorti du bâtiment. Autre règle importante, ne prononcez pas ce que vous trouvez écrit quelque part, surtout si vous ne reconnaissez pas la langue. Si le fait de lire quelque chose en silence vous donne mal à la tête ou vous fait sentir bizarre, arrêtez de lire et partez immédiatement. Il n'y a pas de problème à prendre des choses si rien d'inhabituel ne se produit et si vous avez l'impression que tout va bien. S'il se passe des choses bizarres ou si vous avez l'impression que quelque chose ne va pas, ne prenez rien. Il en va de même pour les photos. Si une personne de votre groupe disparaît pendant un certain temps et réapparaît plus tard, ou si une personne de votre groupe commence à agir bizarrement ou paraît bizarre, demandez-lui de vous guider jusqu'à votre voiture ou votre domicile. S'ils refusent ou ne peuvent pas vous guider, ils sont partis. Abandonnez-les et montez dans la voiture ou rentrez chez vous une fois que vous les avez perdus. Je suis encore fier d'avoir trouvé cette phrase, surtout après que la voix de mon ami ait baissé d'environ 3 octaves. Je n'ai pas regardé en arrière pour voir ce qui avait changé. N'emmenez pas d'idiots en exploration. Non seulement leur idiotie peut vous mettre en danger, mais s'ils meurent à cause de leur idiotie, vous vous en souviendrez. Si vous avez un pressentiment, écoutez-le. Et par-dessus tout, faites preuve de bon sens et ne perdez pas la tête. Il y a probablement beaucoup de choses qui existent, et j'en rencontre de nouvelles plus souvent que je ne le voudrais. Je ne pense pas qu'un être humain puisse rencontrer tout ce qui existe. En cas de doute, sortez immédiatement du bâtiment.